L'honorable Soumaila Cissé, députée à l'Assemblée nationale du Mali, a reçu la visite de l'ambassadeur de la République de Turquie, son Excellence M. Renan Sekiroglu. À la fin de l'entretien, qui aura duré près d'une heure de temps, nous avons recueilli les impressions des deux personnalités. Merci beaucoup. C'était une visite courtoisie. Et aussi, nous avons eu la chance d'échanger de vues sur les relations entre le Mali et la Turquie, et aussi sur les derniers événements à Turquie après l'attentat de coup d'État. J'ai informé le président Soumaïla Cissé sur les mesures que le gouvernement de Turquie a pris dernièrement. Son Excellence l'ambassadeur de Turquie. Nous avons été très, très largement informés sur les derniers événements. Nous avons aussi passé en revue la coopération entre le Mali et la Turquie. Et je crois que nous sommes, avec le gouvernement malien, auprès de la Turquie, que ce soit l'opposition, pour approfondir nos relations avec la Turquie, pour aussi nous mettre ensemble dans cette lutte mondiale contre le terrorisme. Je crois que c'est quelque chose qui touche la Turquie, qui touche le Mali. Et l'ambassadeur a eu vraiment l'amabilité de venir nous dire tout ce qui se passe en Turquie. Nous avons projeté ensemble les relations entre le Mali et la Turquie, que ce soit dans le domaine du transport aérien, que ce soit dans le domaine du commerce, que ce soit dans le domaine de l'éducation et de la culture. Et je crois que c'est un très, très bon partenaire. Et il va falloir continuer à approfondir nos relations avec la Turquie. En tout cas, merci beaucoup à Son Excellence, Monsieur l'Ambassadeur, de nous avoir rendu visite. Merci beaucoup.